Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marwa. On a beau gosse Caleb qui est en train de récupérer un peu d'énergie. Ah, oh, ça fait du bien. Par où ça passe? Oui, il aurait bien récupéré. Oh, tu l'as déjà fait. D'ailleurs, c'est quoi le visage séduisant, mon gars? Parce que je suis pas sûre. Ah, ça fait un petit nuage rose autour de lui. D'accord. Et il a un moodlet spécial, non, pas du tout. Mais qui va s'étirer. Ok. Il a le visage séduisant. Et s'il allait voir sa femme, ça ferait quoi? Elle est où? Elle est là. Bah oui, parce qu'ils attendent de faire quoi que ce soit, parce qu'ils savent rien faire. Envoyer chez soi. Non, tu vas lui faire un petit bisou. Voilà, va embrasser ta femme. Il est rapide. Oh, embrasser ma femme. Oh oui. Oh oui, je suis pour. Ah, ça y est, elle est envoûtée. Elle est envoûtée. Mais bon, il n'y avait pas besoin, elle était déjà en fait. Tiens, tu vas le baratiner un peu. Pour prouver que tu n'es pas si envoûtée que ça. Bon, bah alors, on a tout notre marmaille. Il va nettoyer. Qui est debout. On a aussi la petite Azenor qui est en train de courir. Et on se posait la question de... Un chien. On se posait la question d'un chien. On se posait la question de savoir si on rentrait ou pas à la maison. Attendez, il fait nuit ou quoi là? Il fait 2 heures du matin. Ah oui. Oh, où est-ce que j'ai atterri moi? Parce que bon, vu que les portes s'ouvraient pas... Il peut lui faire quoi en étant comme ça? Enfin bref. Bon, tu vas arrêter ton visage su machin. Désactiver. Non, pas désactiver ça. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ah, bah oh, il est... Oui, ok. Bon, allez, on va se balader. Tous ensemble, ouais. Dans la jungle, on y retourne. Comme ça, voilà. On va voir s'il y a des trucs à faire, quoi. Ouais, alors. Ça y est. Juste un truc, vous allez vous rechanger en... Quoi? Changer de tenue. Ah. En aventurier. Mince, je me suis gourée. Oh, c'est pas possible. Oh, bon, tant pis, tu vas te changer, on s'en fout, on va passer. Ah non mais tu vas venir... Tu vas envoûter tout le monde? Raconter une histoire drôle. Ça marche sur ses enfants? Partager la théorie du complot. Non, ça marche que sur sa femme. Voilà. Voilà. Vous allez discuter un petit peu et puis après on retourne dans la jungle. Interdite. Et on va. À mon avis, il n'y aura plus grand-chose à faire, mais bon. Voilà. On peut toujours essayer rapidement. Bon. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes où nous y non. On a toujours. Oh, j'en ai marre. Et c'est chiant hein, que ce soit aléatoire comme ça, quand même. C'est quoi ça? Ah, c'est juste un poteau. Tout va bien. Ici, tu vas établir un site de fouille, mon coco. Parce que après il va falloir qu'on aille ici. Franchir avec. Oh, se frayer un chemin à ma machette. Ben voilà. Bon, je sais, normalement il faut le franchir avant, mais elle va y aller. On a accès quand même. Mais moi, je l'espère! Marois, tu fais quoi? Là, voilà! Alors, on va mettre ses skills. Tchac. Voilà. Oh, du bowling, elle a un point, ça va, c'est pas énorme. Allez! Il faut qu'on explore des trucs, là. Toi aussi, tu vas venir là. Toi aussi, tu vas venir là. Qu'est-ce qu'il faisait? Et lui, toi, tu vas venir ici aussi, hein. Vous venez tous ici avec votre mère. Merde, attendez, il faut que je sélectionne quand même elle parce que sinon, il va
Je vais avoir du mal à... Ouais, allez, dépêche! Un jaguar dans la jungle. Marwan entend un rugissement, se retourne lentement et voit un jaguar passer dans la jungle avec quelque chose de brillant dans la gueule. Le félin n'a pas encore vu Marwa. Doit-elle arrêter de bouger et attendre qu'il parte ou tenter de lui faire peur? Arrêter de bouger, machin. Compétence fitness et l'extincteur de Luciole. Fitness. Elle est à 4, c'est pas énorme. On va faire l'extincteur de Luciole. Marwa se cache dans un buisson lorsque je rapproche. Une fois le jaguar tout près, elle sort son pulvérisateur et vaporise énorme nœud. Un énorme nuage. Le jaguar est effrayé par l'odeur et s'enfuit après avoir lâché le cristal. Oui, nous avons accès à un nouveau temple. Je suis joie. Ah non, parce que bon, c'est pas comme c'est aléatoire les trucs des portes. Ben, c'est quand même. Sinon, ben, on serait rentré à la maison. Voilà, voilà, nous y sommes. Bon, les gosses, je vous laisse gérer. Ah, quoique non. Calibou, tu peux créer un site de fouille ici, puis les gosses ils vont creuser dedans. Ça les occupera. N'est-ce pas, les Morbacs? Alors, quel est ce temple? C'est pas... J'espère que c'est pas celui qu'on a déjà vu. Hein. Ah. Marouate, tu peux créer un site de fouille ici? Oh, il y a quand même. Ah non, c'est cool, il y a plein de choses à faire. Il y a même une piscine et tout. Bon! C'est bien. Toi, je vais quand même te mettre. À l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? T'es où, Marwa? Ah, t'es dans celui-là. Oh là là, mais je deviens folle, moi. Toi, tu vas aller ici. Il peut pas. Oh, tu t'es chiant. Aidan, t'es chiant. Tu sers à rien, mon gars. Tu sers à rien du tout. Tu vas faire ça et ça. Calebou, tu vas examiner. Ça. Marouate, tu vas examiner ça. C'est pas mal. Je regarde, mais ça va. Et toi, tu devais faire un site de fouille qui est ici. Voilà, tu vas creuser. Bon, tout le monde a une tâche et occupé à faire quelque chose. Maintenant, nous allons essayer de déchiffrer l'ouverture de la porte. Qu'elle avait découvert que certains de ces machins n'ouvraient pas. Mais quel dommage. Il n'y a que ça à étudier. Ah ouais, il n'y a que ça, il n'y a pas grand-chose. Et Marois. Ok. Alors, dans ce cas, activer. Tirer sur l'âme du guerrier, activer. Ouais. Bon. Mais Marois, arrête de faire des bisous à ton mec. Essayer de passer. Donc lui, là, elle peut pas faire d'offrande et là non plus. Tu vas activer guerrier de gauche. On te regarde, Calebou. Arrêtez de vous draguer, vous me gavez là, les deux. Oh, c'est pas possible. Vous avez déjà vu des Sims aussi amoureux qu'eux ou pas? C'est moi, franchement, c'est la première fois que je vois des Sims aussi amoureux, quoi. Mais bon. Allez! Arrête d'étudier! Dépêche-toi! On va voir si tu arrives à... Oui, ça s'est ouvert! Oh, c'est magique. C'est magique. Ouh, alors, nous arrivons ici. Marwa, tu vas examiner ça. Oh, punaise! La vache, il y en a des squelettes ici. Toi, ouais, ils sont pas examinés. Tu peux examiner ça, du coup. Bon. Et puis, il y a ce dernier truc que Marwa va s'occuper d'examiner également. Toi, quand t'auras fini, qu'est-ce que tu bien. Tu. Y a rien ici à creuser, hein. Bah, il creuse encore. Hein. Au moins, il a quelque chose à faire de sa vie, hein, ce gamin, parce que bon. Il est assez chiant. Contrôle des émotions. Ah, bah, tu pourrais jouer. T'as rien pour jouer. Non. Zut! Aucun de ses déclencheurs. Ah, bah, zut alors. Oh, il est chiant, faut qu'il a pissé. Tire à fertiliser ici. Ah, il est 7h30 du matin, donc... voilà, le soleil est levé. Ça va être chiant pour... pour notre adolescente qui est... qui aime bien se cramer le cul. Alors, activer. Ok, ça, on n'est pas sûr. Activer. Ça, rien ne fonctionne. Et celui-là...
Rien ne fonctionne. Bon, bah, voilà, il n'y a que là, hein. Activer la mainte dans le... Mais c'est bon, arrêtez là. Alors, dans le glyphe soleil, c'est celui qui est en face. On est dans la salle quoi ici? Parce que des fois, j'ai envie de comprendre. On est à la salle tête de mort. Ah mince, c'est elle que j'ai dit! Oh là là, punaise, vous auriez pu me le dire, je m'étais trompée de Sims. C'est dommage quand même. Attention! Ah, c'est... ça a ouvert. Oui! Nous arrivons à une nouvelle salle. Oh, un trésor! Il est l'or, mon trésor! Toi, tu vas examiner ça. Oh, c'est super beau, un truc comme ça. Faut vraiment que je m'active à faire des constructions un peu sympathiques. Avec des trucs de... Oui! Des trucs de la jungle, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle a récupéré? Ah, alors, une alexandrite. Un crâne. Enfin, je crois, hein. Super, des roches fossiles. Une bouteille d'eau. Un masque. Et on n'a pas grand-chose, hein. Bon. Moi, je suis un peu dégoûtée, hein. Et ça, activé. Complimenter les sculptures. Tu devais... Est-ce qu'elle est... Mais viens ici, ma roi, ça suffit. Parce que là, tu peux faire des dons. Offrir une relique. Ah ouais, on peut offrir une relique quand même. Lui, il a pas fini. Si? Activer. Ah bah écoute, tu vas activer ça et on verra ce que ça donne. Tout à l'heure, on a eu du bol, donc je pense que là, on va pas avoir de bol. Non! Eh bah voilà, j'avais dit. Wouh! Il a esquivé la fléchette! Non, le bricolage! Waouh! Ben putain! Mon garçon. Mon. Comment ça s'appelle? Mon. Je sais plus, je dis de la merde. Je suis fatiguée. Complimenter les sculptures! La fin des vacances dans un jour. Très bien, je note. Oui! Il fallait complimenter ces sculptures! Oh, regardez-moi ces fougères magnifiques! On va descendre. Ta-ta-ta-ta-dam! Et on va examiner. Pas ici. Oh, c'est joli. Et Calebout, tu vas examiner ici. Là, on est dans la... C'est quoi ça? C'est pas des feuilles, c'est on dirait des... Je sais pas. C'est un peu des trucs de tout en fait, hein. Bon, on verra ce que ça, ce qu'ils nous disent après avoir examiné tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire une offrande au glyphe arbre ou... ah oui, là ça fait quand même beaucoup. On va faire l'offrande au glyphe arbre. Parce que là, bon, je suis pas sûre, hein. On verra. Et demain, c'est la fête des récoltes. Eh ben, c'est pas bon. Oh merde! Elle est tombée. Hantée par des visions qui la rendent très agitée. Très bien. Et ici, activée, on sait pas. Ah, on a déjà eu le soleil. Ou alors, il faut offrir une relique. Non, essayez de passer. C'est pas tout le temps en fait qu'on peut offrir une relique. Tu vas activer le glyphe arbre, mon petit. Et toi, tu vas venir ici. Vous arrêtez de faire n'importe quoi. Oui, mais Gaston, on est en vacances encore. On est loin là. Eh ben, c'est pas bon. Attention, Caleb, tu as embarqué un. Qu'est-ce qu'il a eu? Mauvaise activation. Il a même fait se faire pipi dessus. Ah, c'est Marois qui a réussi. Bon, super. Oh, on a un super trésor. On a un super trésor. Deux super trésors. Ouh. Et on a déjà la fin du temple. Et ça passe super vite. Je vous l'avoue. Je regarde, mais ouais. C'est toi qui vas ouvrir le coffre et trésor, évidemment, Marwatt, puisque tu es l'héroïne de ce let's play, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ah, alors par contre, la nouvelle est tombée, comme quoi bientôt on pourra jouer en first person, c'est-à-dire que là, Marwatt qui ouvre le trésor, je pourrais être à la place de Marwatt et voilà, voir ouvrir le coffre. Et ça, c'est trop cool, je trouve. Bon, c'est pas forcément ce que tout le monde aurait attendu du jeu, tout ça, mais je trouve ça super sympa pour certaines situations. Et aussi, peut-être faire des machines images, je pense que c'est très intéressant. Et on pourrait se marrer, quand même, je pense. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je prends juste Marwa qui ouvre.
Exploration du temple terminée. Et nous avons encore un coffre à ouvrir. Ou comment ça, je chante faux? Je le savais. Youhou! On a eu plein de pognon. J'espère qu'on a récolté des grenouilles d'or. On va regarder ça, un crâne, on s'en fout. Oh! Une relique de l'observateur en or. Azazatototl en or. Une assiette. À 10 808 simflouz. Non mais quand même. C'est beaucoup. Hein? On va pas se cacher. Oh tiens, il y en a un qui est en train de s'éclater. Il fait de la piscine. En même temps, il a bien raison, hein. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Sors pas, hein, cocotte, hein. Tu te balades, ok, mais tu te balades hétéroclite, comme on dit, mais. Tu peux venir là, mais bon, tes parents, ils ont tout exploré. Parce que, bon, comme toi, t'es subjective. Ah! Oh, genre, qu'est-ce qu'il a? A littéralement perdu son sang-froid. Oh, mon bichon! Oh, elle est repartie. Non, mais franchement, là, j'en peux plus, moi, ces Sims. Arrgh. Alors, j'aime bien ce qu'elle elle chante, elle grogne et elle rechante. C'est normal, toi, tu as récolté quoi, du coup? On avait deux assiettes. Ouais, bah, c'est bien, c'est sympa, tout ça. Tu vas manger un truc, tu vas te recharger les batteries aussi, hein, mon coco. Arrête, Marois, tu me fatigues. Arrête, tu me fatigues. Je vous jure. Ils sont incorrigibles, ces Sims. Donc, ben, c'est cool. On va pouvoir, doucement, mais sûrement, rentrer au logement. Et puis, ben, surtout, ou rentrer directement à la maison, puisque ça va être la fête des récoltes. Et il faudra qu'on soit à la maison pour ça. On va faire un dîner de famille. Voilà, ça pourrait être très sympa. Et les prochains anniversaires. Ah oui, on a encore le temps. On a encore le temps pour les anniversaires des enfants. Donc c'est super. Et toi, Zenor, tu. Ouais, tu explores. Oh putain, elle est fatiguée. elle fait. En tout cas, elle essaye d'améliorer son niveau d'archéologie, donc c'est plutôt pas mal. Ma cocotte, tu vas te méditationner obscurément. Laisse-la tranquille, Caleb. Parce que là, elle est méga fatiguée quand même. Et ça va te faire du bien. Et tu vas manger aussi quelques plasma fruits pour te requinquer. Ouais, ça leur monte quand même un petit peu. Ok, et on est revenu. Toi, tu rentres direct. Ah, on s'en fout. Allez. J'ai sauvé juste le cul de notre ado. Et puis, c'est bon. Et voilà. Tout le monde va, voilà, va s'occuper. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils vont se faire encore des mamours. Je le sens, les deux là. Et franchement, il m'épuise. Bon, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. C'était cool de redécouvrir un temple et je pense que pour le prochain, on sera rentré à la maison pour la fête et des récoltes et on va inviter un peu toute la famille. Allez, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à samedi prochain. Je pense pas que le pack sera sorti, mais j'aurai tourné l'épisode d'avance, le pack Get Famous, L'heure de gloire, j'aurai tourné avant parce que je ne pourrai pas attendre. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à samedi prochain. Allez, salut!